Eh bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, et welcome sur une nouvelle partie de ce Let's Play Pokémon version noire 2. Comme son nom l'indique, c'est la version 2, c'est la suite directe de Pokémon version noire 1. Cette intro est à chier, mais on la garde quand même. Vous avez pu voir des modifications absolument extraordinaires, puisque ici même, enfin ici, pas là, mais sur la diagonale, on a les badges. Voilà, ça y est, je vous le dis, on a les badges. Grâce à Kazu, il m'a fait un petit overlay maqué. On voyage encore une fois, c'est extraordinaire, évidemment. L'overlay fabuleux qui a été mis en place par Seragonia aussi, avec les réseaux, avec tout. Bref, on est royal au bar, comme on dit, dans le milieu. On s'était laissé dans ce centre Pokémon. C'est hyper agréable d'être dans ce centre Pokémon, bien sûr. On adore les centres Pokémon. On a eu notre premier badge, du coup, il était affiché. Quand on aura notre deuxième badge, ou notre troisième badge, quatrième badge, oh bah oui, ils s'afficheront également. C'est de la magie, bien sûr. Donc, on s'était laissé ici. Par contre, parce que j'avais soigné tout le monde. Normalement, me connaissant, j'avais soigné tout le monde. J'étais royal au bar. On est sur Moustillon, évidemment. Le Moustillon version de Galar, hein, rappelons-le. Niveau 17, Ludocario qui est 19. Et Ted Etienne, un peu laissé à l'abandon sur le côté. Notre ami Watt, c'est la Watt que je préfère, bien sûr. Merci aux gens qui sub et resub, évidemment. Baywater, Yanis, Lulu Biscotto qui vient d'offrir un sub à Truffou, le frère. Merci, les amis, du soutien à la chaîne, encore une fois, vous êtes vraiment trop gentil. Merci. Alors, sortons d'ici. On s'était laissé dans cette belle ville. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, on était en train de full pex côté ici là où il y a les herbes sur le côté gauche, je crois, en descendant. Gros, je suis trop fort. La mémoire de fou. Et on avait dit, on va faire évoluer Moustillon et on sera bien. Est-ce que on montrait pas what le sang de la veine un tout petit peu? On va essayer de passer level 10 et on va continuer l'histoire. Parce que j'aimerais bien l'utiliser un petit peu. Hein. Sinon là, on va rien en foutre, ça va être catastrophique. Donc on va commencer par une petite session PEX d'environ 3 minutes, hein, j'imagine. Parce qu'il va prendre beaucoup de level si on se tape un no but yes. Assez au level et ce sera parfait. Salut à ceux qui rejoignent, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, la patate, ça va. Il fait beau là en ce moment, hein. Non. Il fait super beau en ce moment, non. Là, ils annoncent la full pluie. En plus, ce week-end, vous savez quoi? Non, vous savez pas. Mais du coup, ce week-end, on fait petit anniversaire pour ma fille avec des amis. Il y a entre autres mon ami Junpei qui vient, ou encore Olivier Refelos avec sa fille, puisque nos filles sont super amies. Et bref. Ça va être incroyable, je me suis dit, oh, ça va être super, on va manger dehors, on va s'éclater. Full pluie tout le long. D'ailleurs, je crois qu'il y a l'event de Domingo, là, avec Zerator et tout, de la pure dinguerie, là. Bah, s'il pleut, au tennis, là, c'est Roland-Garros, là. Catastrophe. S'il pleut, c'est catastrophe. Oh, c'est bon, on a ce qu'il veut. Oh, merci, j'avais pas vu le chat. Lulu Biscotto qui a offert directement 6 subs. Il n'a pas offert 5 subs, il a offert 6, mesdames et messieurs. On envoie les GG, on envoie les merci évidemment dans le chat. Tu connais la famille, merci beaucoup. Merci Lulu Biscotto qui a le cœur sur la main. Waouh, super, bravo. Sur le toit du monde. Il y a le toit, ouais, je sais qu'il y a le toit, mais du coup c'est moins beau parce que avec le toit, ça fait que pas de public, de ce que j'ai compris, de ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a expliqué. Quand même, un cauchemar. Bon, ouais, voilà. Et en Bretagne, franchement, c'est top. Quimper, c'est nul par contre. Ah, donc tu confirmes que Quimper. Non, mais la dernière fois, c'était à deux doigts de me faire agresser au coin de la prochaine rue, quoi. Parce que j'avais parlé de Quimper, et j'avais dit, bon, écoutez, la Bretagne, c'est chouette, mais Quimper, c'est à chier. Mais ça me fait plaisir que quelqu'un confirme que c'est à chier. C'est un cauchemar. Ah non, mais il faut le savoir. Hein. Quimper, cauchemardesque. Très mauvais souvenir de Quimper. Encore un coup de Rive, ça. C'est vrai que Rive, franchement... Pourtant, il n'en parle jamais de la Bretagne, Rive. Je pense que c'est... Si vous savez qu'il est breton, les gars, si vous avez fait des recherches, hein, parce que vraiment, il n'en parle jamais. Ah non, non, non. Ok. Oh, Ted qui prend son niveau 8. Ok, qui prend éclair, qui prend niveau 9. Et qui prend niveau 10. Voilà, fin du PEX. Bon, bah c'est fini, c'est terminé. Sport coton. Les gars, on avait dit, on veut juste... Attends, sport coton, on est d'accord que ça... Ah non, ça bosse. Ah non, je... Ouais, ça... Fortement la speed. En vrai, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à la place de rugissement. Ah, c'est pas sport. Oui, non, mais j'ai confondu en effet, Suzy. Heureusement que tu es là pour me ramener sur le droit chemin, mon cher ami. À niveau 12. On l'a monté. Alors, il vient de passer niveau 7 à 12. C'était la séance de PEX la plus rapide de tous les temps.
voilà. Et mets-le au niveau 15, il va évoluer. Allez, on se permet un autre no but yes quand même, hein. On n'est pas des bêtes. On n'est pas des sauvages. Oh la vache. Oh, super. Allez, dégage. Montpellier, 3 jours depuis, les gens, c'est des fenêtres. Après, quand il pleut à Montpellier, il pleut, hein, gros. Pour y avoir vécu longtemps. Quand il pleut à Montpellier, si tu vois ce que je veux dire. Ok, on va reprendre Ludo Cario, c'est moi Ludo. Donc voilà. Techniquement, il n'y en a pas une meilleure. Comment ça, pas une meilleure? Ah, tu parles de la version? Mais vous êtes. Tu sais que c'est LRB. LRB m'a vraiment dit que. Je me souviens, à l'ancienne, hein, mais il m'a dit vraiment, c'est sa version de cœur, ça. Pokémon blanc, noir, les deux, quoi. Il a vraiment adoré. Je peux comprendre, il y a une aura spécifique. Il y a une aura spéciale qui se dégage un peu de ces jeux. Notamment au niveau du scénario. Même si moi je reste quand même sur gros coup de cœur 4ème génération. La vie est bien vendue et franchement j'en suis pas déçu. Ok. Il prend son niveau 20 aussi, ça régale, pourquoi pas. Niveau 13. Ah il a pris beaucoup moins d'XP là par contre, le man. Ah niveau 15, niveau 15. Niveau 15 et on a notre équipe qui est super prête. Et on va aller casser des fiacs. La hurras! Bah subjectivement, je serais toujours amoureux de la 3G, mais ce jeu techniquement, enfin bref. Bah merci Yasuzi. Là vraiment, les infos que tu viens de me lâcher sont sont vraiment très précises, du coup c'est parfait quoi. Là moi, je reste, hein. Vraiment, je reste sur la 3ème génération. D'ailleurs, attends, j'en profite que vous êtes vraiment pas beaucoup puisqu'on est au début du live. Je vous avais dit qu'on allait faire une Poké Race. On va organiser une Poké Race avec Beatle, c'est l'initiative de Beatle, il va y avoir des invités de fou. Et à votre avis, sur quelle génération cette Poké Race sera? Vu que je la commenterai avec Beatle. Est-ce qu'elle sera en live à l'Arena chez le stream? Est-ce que ce serait pas le premier mercredi d'octobre? Mais j'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. Vous n'êtes pas au courant. Un peu comme le premier rôle de Ted au cinéma. Pas le premier rôle, mais le premier gros rôle qui est son casting. Personne n'était au courant apparemment. Tous les viewers le disaient hier en live. Ça va être fabuleux. Oh là 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 là! Eh oui, ça va être trop bien. J'ai hâte avec mon frère Obitel là. Ça va être assez dingue. Soir des chill, ouais, c'est ma version préférée. Ouais. Oh la Poké Race de l'angoisse. Ouais, on a décidé de faire une Poké Race sur vraiment la version préférée des gens. Ce sera donc sur Soleil des Lunes. Envie de mourir. Allez hop. Mais en fait, c'est pas vraiment du spoil parce que, genre, avec Beatle, on a pensé à un truc de fou et Beatle, il a de fou taffé dessus. Donc, vous allez voir. Vous allez voir cette Poké Race. C'est pas n'importe quelle Poké Race, Harry! C'est une Poké de 1000? Allez hop, ça dégage la racaille. Voilà. Niveau 14. Putain, il prend pas son 15. Il prend pas son 15. Il prend pas son The Doux, le man. Bon, dernier no but yes. Et. Ouais, oh, bah parfait. Et ensuite, on part au Center Pokémon. Tu vas construire ta team comment? J'ai pas de. Parce que j'ai vu la suite de ton message, mais. J'ai pas de particularité, on va dire, sur cette équipe. À savoir que. Je pense la faire. En fonction des Pokémon qui me font kiffer et qu'on va croiser. Voilà. Parce que là, il est vrai que sur cette version Noir 2, on rencontre directement des Pokémon d'autres générations. La preuve en est, nous sommes sur Watt. Ici, on a Ludocario, notre petit Riolu. Putain, j'ai envie de le tuer avec Ted, mais ça va prendre un peu de temps. Donc voilà, j'ai pas de préférence particulière, sans faire le gars. Au fur et à mesure, on verra. Après, j'essaie toujours de privilégier des Pokémon de la génération sur laquelle... de la version, quoi. Toujours plus sympa. Tu vas construire. Ah bah non, pardon, je relis la même question, putain. Le mec qui devient fou. Par contre, les torgnoles, je commence à en avoir marre. Là, je commence à en avoir marre de me faire baffer par les no but yes. À un moment, faut mourir. Hein. Putain. N'oublie pas que Riolu évolue uniquement ce jour. Ouais, je sais. Je sais. Il faut qu'il ait le bonheur max en plus, donc relou. Allez, s'il te plaît. Oh là là. Allez, on le tue maintenant, je pense. C'est good. Voilà. Parfait.
T'en as pensé quoi de la dernière présentation? Ah, c'est vrai qu'Arceus, je n'en ai pas parlé. Mais, enfin, on avait parlé très très rapidement, sans vraiment rentrer dans les détails, parce que, bon, ça s'est passé pendant les vacances et tout ça. Mais, chargeur, ça chie. Ouais, ça chie. Et du coup, non, je peux pas oublier une capacité. Et Arceus, moi, j'étais, entre guillemets, un peu rassuré, quoi. Mais quand je dis un peu, c'est un peu... J'avais peur de la catastrophe absolue. Et au final, c'est mi-figue, mi-raisin, d'accord ? On a un petit phare en plein. Juste, on verra. En fait, ça dépendra vraiment de comment il va tourner, quoi. Tu as vu le steelbook d'Arke... Non, j'ai pas vu, Susie, j'ai pas vu du tout. J'ai pas vu du tout. L'énergie, après le petit ferramp. Oui, j'ai mis la charrue avant les bœufs, quoi. Attends, j'ai pas vu, c'était quoi ? Encore chargeur ? Mais il veut me la prendre combien de fois, chargeur, frère ? On a dit non une fois, stop. Ouais, j'abandonne chargeur. Il veut me la prendre tous les jours, le même. Attends, tu m'as envoyé un lien, Susie ? Je vais voir. Ah oui, je l'ai vu passer aujourd'hui. C'est vrai que le steelbook avec la figurine Arceus. Ah les amis, après vous connaissez hein. Tu connais hein. Moi je suis un Yankee, hein. Je suis un bon Yankee hein. Ça va être pris ça va être pris instantanément. Bah Susie a mis le lien dans le chat, je peux pas vous montrer là parce que j'ai pas la scène etc. Mais si vous voulez aller voir Susie a mis le lien dans le chat et franchement très stylé. D'ailleurs, le jeu est à 49€. Avantage Nintendo, encore une fois. C'est vrai que les jeux sont moins chers. On n'est pas à 80 balles, quoi. C'est vrai que ça fait du bien. On est good. Sim de soi, c'est le visite des remakes de la 4G. Ils auraient pu faire un truc propre comme les remakes 3G. Je veux pas m'embarquer dans ces débats, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a... On a eu un peu mal. On va mettre la max, puisqu'on est deux jours sur Ludocario, mesdames et messieurs. Normalement, alors on peut pas vérifier son bonheur là d'ailleurs, je crois pas qu'on ait de trucs particuliers, mais... Il faudrait qu'on le fasse évoluer. Ah non, mais attends, la nuit c'est avant 18h? Non? Après je peux changer l'heure et tout, mais flemme quoi, mais... Je crois que c'est ça. La nuit c'est considéré à 18h ou à 20h? Parce que 18h c'est un peu tôt. Que je me souvienne, je sais pas. 20h, ok c'est bon. Me voilà rassuré, évidemment. Hop, forte pomme dans ta mère. Ça dégage. Après on a pas mal couru aussi. Non, tu veux pas te battre ? D'accord, merci bro. Je vais aller faire tous les mecs que je croise. 20h je crois, je suis pas sûr. Mais il y a des gens qui disent 18h c'est le soir et d'autres qui disent 20h. Je suis un peu abattu hein. Oh, il est de retour. Regardez qui c'est qui l'a envoyé. Salut les mecs. Salut à tous, je suis de retour. C'est Chauve Sourire. Salut, j'adore voler moi, j'adore. C'est vraiment trop cool. Le bouffon. Hop, petite fille d'attaque. Oh, l'assurance. À chier. 18h, non, c'est le soir. Putain, ouais, mais du coup, il nous reste 5 minutes. On va évoluer ce pauvre Riolu. Donc, autant vous dire que ça va vraiment se faire de suite. On peut pas sauter ? Ah non, on peut monter sur... Fuck, mate. What the fuck, bro? What the fuck? Ok. Je crois que ça doit être un dresseur. Être avec ses Pokémon, que demander de plus? Bah. Je sais pas. Plein de choses. Ok, il y a un man ici. Ok. On va aller chercher celui du bas après. T'as plus les alertes sub, Gigi? Bah, si. Ah! Oui, pardon. Si, si. T'as raison. Regarde.
Et ouais, elle était cachée en dessous l'overlay. Bien vu, mec. Merci beaucoup, Greenarock. Merci, merci beaucoup. Merci Ekishi aussi pour les 3 euros. Évidemment, avec un giga pavé écrit. Attends, qu'est-ce que tu m'as mis? Alors, J, ça fait quoi d'avoir été viré de Sydney avec Luc et Rupert, étant donné qu'ils nous ont pas mis dans le deal avec Twitch pour la vidéo? Sache qu'on te soutient, t'inquiète, Liverpool est là. Luc a déjà Dijon et Rupert au chômage, malheureusement. Ouais, j'ai vu la pub Twitch. Bah, je sais pas. En vrai, je m'en bats les couilles et je pense pas qu'il y avait. Je sais. En fait, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, ce truc Twitch. Donc, aucune idée, quoi. Mais c'est vrai que bon, tu peux créer ton équipe, ça montre que le FC Simi, ils sont 5. Bon, après, c'est pas très grave, quoi. Moi, je suis pas très important dans le FC Simi avec Zari et DFG, on n'est pas important, quoi. Donc voilà. Non, mais tranquille, c'est pas cool. DFG t'a cité à Liverpool, mais quel frère. Quel énorme frère, quoi. En septembre, c'est le printemps, donc le jeu, donc 17-20h, soir, et à partir de 20h, c'est la nuit. Ok. La haine, en vrai, franchement, je veux que je sois très honnête avec toi, mais gros, je m'en bats les couilles, mais d'une puissance. Vraiment, j'en ai rien à foutre. C'est juste, c'est rigolo, quoi. Tu te dis, bah, ils mettent le FC Simi, mais ils mettent 5 mecs. Tu sais, c'est pas, ils mettent 2 mecs ou quoi. Ils mettent 5 mecs. Je dis, bah, pourquoi tu mets pas tout le monde? Pourquoi t'en mets que 5? C'est juste ça. Mais en vrai, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que ça m'apporte, là? C'est juste rigolo. Par contre, je sais que Max, il avait le seum, en vrai. Il était en mode, ah, ça me fait trop chier qu'ils mettent personne de le stream et tout. J'étais en mode, tu sais, mais il manque des... Y a pas Gotaga, y a pas des gens de Solari, y a pas... Je pense que c'est pure random. Ça doit être un truc qu'ils ont fait en collab et ils ont pris certaines personnes et basta, tu vois. Bon, ça change pas ma vie, hein. J'arrive toujours à dormir la nuit, hein, je vais pas vous mentir. Ok, il y a un man ici. Ah, je peux pas tomber par là. Ici, je peux y passer. Ça changera. Ah non, je peux pas y passer là. Smogo, je vais le casser. Je peux parler au mec. Je peux fighter les ouvriers. D'accord. Je me disais pourquoi ils sont là et ils ne font rien. Attends, j'ai parlé à tous ceux qui sont ici. La musique est stressante, hein, par contre. Là, ok. Et là, on est d'accord que je peux pas passer par là, de ce côté-là. Non, j'ai pas l'impression. Attends, on va parler à monsieur ici, énervé. Un dresseur avec une équipe qui a l'air en forme, ça tombe bien, j'ai un service à vous demander. J'ai des hommes qui coincent la... Qui coincent la bulle dans la zone industrielle, tu voudrais pas les secouer un peu? Ça marche. Ok, donc faut que je les arrache du coup. Bah vas-y, hein. Aga, on est là, hein. Merde. Je vais aller leur secouer la bulle. Lui... Tu m'as soulagé. Bon bah écoute, c'est parfait. On peut les faire du coup. C'est vrai que je l'ai complètement slash ignore le Calvi Boy. Et Ludocario, go! Oh non, c'est un ratentif. Qu'allons-nous faire, Ludocario? Ok, il a fait détection. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Plus que 2 minutes pour Riolu, c'est chaud. Non, mais apparemment, c'est bien 20h au final. Parce qu'on est au printemps. Donc, no paniscos. C'est good. Voilà, mon bro. Superbe. On est les kids. Est-ce que j'envoie quelqu'un d'autre? Non. En fait, j'ai juste envie que Ludocario ait un maximum de bonheur et devienne mon Lucario. Ah, le bâtard. Boum. Oh, c'est chiant. Putain, il m'a paralysé. En vrai, là... Là, c'est le moment où je suis relou. Je vais aller me soigner. Il m'a paralysé, ça m'emmerde. Ça me fait chier. Ah ouais, comme il y a que des types normaux. Oui, enfin, le type dominant, là, c'est normal. Donc forcément, Riolu, il nous met au max, hein, le type. Vraiment, on est très très bien. Ah. Quoi? Full découverte pour moi à partir d'ici. On m'avait volé ma cartouche. Mais t'avais quel âge, c'est Lucario? Qui a pu faire ça? Qui peut voler une cartouche Pokémon? Oh, ça se fait pas, les gars. Par peut-être
une merde. Merci Zubutan, je t'avais pas vu. De retour vers les lives, pour les lives Pokémon, j'ai juste loupé le premier, mais vite rattrapé avec le rediff. Ouais, t'inquiète, ça se rattrape vite en vrai. Si vous avez loupé, à chaque fois, n'oubliez pas, le jeudi quand on record, eh bien, on est toujours à jour par rapport à la rediffusion. Sur les deux autres let's play qu'on a fait, à savoir Platine et la version noire, je crois qu'il y a eu qu'une seule fois où j'avais un épisode de retard. C'est pour vous dire que je suis quand même, voilà, mine de rien, quand même quelqu'un qui fait attention, quoi. Professionnel, un minimum. Non, tout va bien. On m'avait volé Noir 1 en primaire. J'ai dû... Putain, moi je me suis jamais fait voler de version Pokémon. Pour le coup. Je suis en train d'y réfléchir là, mais... Non, j'ai jamais eu... Jamais eu de dingues. Non, il y avait... Enfin, je sais pas si vous aviez le même délire. Enfin, le même délire. Ouah, le délire de fou, quoi. Mais je me souviens que des fois... Des fois, il y avait des mecs qui ramenaient leur Game Boy à l'époque, quand j'étais au primaire. Moi, ça m'est arrivé de la ramener une ou deux fois, quoi. Enfin, en scred, évidemment, parce que, voilà. Et tu joues à Pokémon dans la cour, t'avais rien demandé, et un mec passait derrière toi, il te retirait la cartouche. Vous l'avez jamais fait, ça? T'étais là, t'étais en plein combat, t'allais capturer, t'avais pas sauvegardé, et on venait, on te faisait juste ça. Tu sais, genre, tu tenais ta Game Boy comme ça, et un mec, il venait, il te faisait juste ça, comme ça. Remonter ta cartouche. Du coup, ça coupait la... C'était juste nul. C'était horrible. Donc là, il n'y a rien ici. Attends, d'ailleurs... Il n'y a vraiment rien du tout jusqu'au bout. Je comprends pas pourquoi cet endroit existe, du coup. Mais bon. On vous l'a jamais fait, ça? Ça partait... Ah ouais, c'est... T'avais envie de démarrer le man, quoi, après. T'étais là... Tu sais, souvent, c'était un moment... Moi, je me souviens, c'était l'époque où la deuxième gêne était sortie, d'accord. Et tu sais, c'est vraiment le moment où t'es en mode, oh, t'as rencontré Raikou par hasard, quoi. Tu dis, oh, c'est mon moment, quoi. C'est mon moment pour Raikou. Et un mec, il vient, il te fait ça. Un mec, il vient, il te fait ça, quoi. On est où, là? Cauchemar. Comment ça, Alzheimer? Pourquoi j'ai Alzheimer? Comme ça, il va pouvoir manger Alzheimer, du coup. Un Riolu. Je connais ce Pokémon. Je connais cette théorie. L'époque où je perdais mes cartouches dans le canapé, quoi. Dans le canapé. Putain, t'es chaud, hein. Elle se faisait absorber par le canapé. C'est souvent pour ça que les DS, elles sont plus difficiles à retirer. Bah, en vrai, sur DS, c'est un peu chiant parce que tu dois cliquer dessus, tu vois. C'est un peu à chier, quoi. Ah, mais arracher les cartouches, c'était nul, vraiment. En plus, il y avait rien de... Enfin, il y a aucun moment, c'était drôle. Il n'y a pas un moment où tu dis, ouais, je... Il y avait aucune autre intention que de faire chier derrière, quoi. Tu sais, c'est un peu comme les mecs qui vont venir rayer une bagnole, tu vois. C'est juste nul. Il n'y a pas de... intérêt de rayer une voiture. Aucun. Zéro. Nada. Rien. Être une merde, peut-être. Bon, écoutez, on a fait cette zone. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça à faire. C'est bon. Oh, l'éclat troc. Vous avez déjà rayé votre voiture intentionnellement? Genre, t'arrives à ta bagnole et là, frère, t'as un mec qui t'a fait une map monde sur la voiture. Moi, véridique, hein, j'ai vu un truc. Je sais pas si j'en avais déjà parlé de ça, c'est possible. Véridique, hein. Quand je sortais courir dans le quartier. Je sortais courir quand je me chauffais un peu. C'était avant même le Big Nine et tout. Je sors courir. Et un jour, je vois une Mercedes. Mercedes, c'est un peu sport, mais Mercedes pas récente. Quand je dis pas récente, elle était maximum de 2005, tu vois. Un peu style Mercedes cabriolet grise, d'accord. Et sur le capot de cette Mercedes, rayé, il y avait écrit sale pute. C'est pas rigolo, hein. Mais quand j'ai vu ça, je dis, ah, il y a eu embrouille. Il y a peut-être eu embrouille. L'ex, le machin. C'est juste que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, quand même, faut vraiment pas. C'est pas cool, d'accord. Si un mec te vole ta place de parking que tu payes tous les mois et malgré les mots, veut pas te laisser, ça justifie de lui rayer ses grands morts sa voiture. Et franchement, on dirait un peu un sujet de philosophie, t'es sûr. Vous avez une heure, vous avez deux heures, mesdames et messieurs. Oh, c'est le moment d'utiliser le sondage, mesdames et messieurs.
Est-ce que vous avez une place de parking qui est à vous et qui est payante, que vous payez chaque mois, et qu'un mec à chaque fois se garde dessus, que vous arrivez, vous êtes en mode bon c'est chiant, une fois il a peut-être fait une erreur, deux fois peut-être une erreur, trois fois c'est chiant, quatre fois ça t'énerve, cinq fois t'as envie de niquer sa mère, tu mets des mots, tu lui dis frère c'est, cette place elle est réservée, arrête de te mettre là, il se met quand même là, est-ce que ça justifie de rayer sa voiture? Sondage directement. Eh bien moi je vous le dis, je veux pas vous aiguiller, mais je lui fais un dessin. Je lui fais un dessin sur sa bagnole. Par ici, c'est le monde du glamour et de l'action, le Pokéwood. Ils sont en pleine audition au studio. Le capitaine est en train de tourner un bout d'essai. Personne n'a le droit d'entrer, d'accord. Évidemment, c'est pour la suite du scénar. Attendez, il doit pas y avoir souci. Je vais faire le sondage. Je vais faire le sondage, évidemment. Nouveau sondage. Un mec vous vole votre place de parking en perma. Je fais rien. Je suis une victime. Oh merde. Je fais rien. Je lui raye sa pute de caisse. Sa caisse. Voilà, je vais juste mettre ça. Ou alors, je rajoute un petit truc. Voilà, je vous laisse une minute de sondage. Très curieux de voir ça. Le sondage est envoyé, évidemment. Bien sûr. Ah, mais c'est pour ça, oui. Alors, je vais le mettre sur ma tête. Je vais le remettre sur ma tête, hein, ce sondage. Parce que sinon, il va évidemment passer en dessous. Voilà. Donc, vous n'aurez plus ma tête. Vous n'aurez... Oh, ça fait une bite. Très bien joué. Très, très, très bien joué, mesdames et messieurs. Très, très belle queue, en tout cas. Voilà. Donc, pour l'instant... Tu peux le mettre au premier plan sinon. Ouais, faudrait que je le passe par-dessus, t'as raison. C'est vrai que je peux le placer. Mais putain, mais pourquoi je peux pas le déplacer? Je peux pas déplacer le sondage en fait. J'arrive pas à le. Mais merde! Attendez, j'ai un bug, les gars. J'ai un bug. Bah, what the fuck? Attendez, change de scène. Je peux plus changer de scène? Ok, c'est mon truc qui doit laguer. C'est le pôle doit faire laguer un petit peu, mais je peux le mettre comme ça en vrai. Je vais juste le mettre. Voilà, ce sera très bien pour la suite. C'est good, pardon. Ouais, le bug, il y a un petit bug là. Donc je vois qu'au final, les gens s'énervent. Mais en vrai, je vais pas faire le gars, mais. C'est pareil. Mais t'es sûr, tu nous as parlé de ça? J'ai l'impression que tu t'es confié. J'ai l'impression que tu en avais gros sur la patate. Est-ce une situation que tu es en train de vivre? Que se passe-t-il? Appeler la fourrière? Non, on n'est pas comme ça. Nous. On n'appelle pas de fourrière. Nous. T'es sûr, parle-nous. T'es sûr, nous t'écoutons. Je m'en fous. Hop, laisse-moi tranquille. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula, c'est quoi? Oh, mesdames et messieurs, est-ce que c'est... Ah, mais c'est la reine! Ah, c'est la reine! Je croyais que c'était... Mais alors, attendez, désolé, mais quand je rentre là-dedans, j'ai plus l'impression que je vais dans un endroit où je vais subir le happy ending. Hein. Cette arène est aussi une scène de concert en live. Le champion et son groupe sont en train de répéter. Alors, il faudra les affronter les uns après les autres. Au fait, tiens, la maison t'offre une consommation. Ah, l'eau fraîche en concert. Pas sûr qu'au Hellfest, ça boit que de l'eau fraîche. Hein. Je l'ai vécu avant, mais suite à mes œuvres d'art, il l'a enlevé. Je jure que c'est vrai. Bien joué, bro. Tu t'es pas laissé emmerder, t'as bien raison. C'est un concert, ça? Mais où sommes-nous, mesdames et messieurs? Quel est ce jeu? Ok, je peux lui parler ou pas? Ah, c'est bon. Ils sont en train de se déchirer. Par contre, ils jouent, ils savent pas au courant, ils jouent, mais pour personne. Hein. Il y a personne dans la salle, hein, les gars, si jamais. Et on va affronter le guitariste loup.
Oh, Venny Pat. What the fuck, step bro man. Oh, wow. Ok, forte pomme ou retour? Et non, en fait, parce que combat contre insectes, c'est à chier. Non? Je crois que oui. Non, je sais plus. C'était une répète? C'était en huis clos, pardon. Ah oui, le Covid, évidemment, bien sûr. Un Smogo, non. En fait, on va juste utiliser Trio. C'est normal, en fait, ouais. Ouais, je sais plus ma table de type, là. Écoutez, c'est compliqué. J'ai 30 ans. Je vais faire... Putain, imaginez, je vais faire 30 ans, quand même. La dinguerie, quoi. Là, le 27 décembre, là, moi, j'ai 30 ans, là. 30 ans, frère. 3 décennies, comme on dit dans le milieu. C'est stylé, mais 30 ans, hein. Putain, la vache. Allez, ça dégage. Tu es de la même année que Ponce. Ah, tu sais, honnêtement, je pense que je suis de la même année que quand même beaucoup de gens. Sans faire le gars, hein. Sans faire le gars, il y a au moins... ouais, il y a quelques personnes qui sont nées en 91, je pense. Trop cool. Un petit retour. Teste le bonheur, mesdames et messieurs. Vous savez qu'on est quand même pas mal de 91. Xari est de 92. Je crois que Max est de 89 ou 90, je sais plus. Je crois qu'il est 89, Max. Ma femme est de 91 aussi. Bah, d'ailleurs, ma femme est du 8 décembre. Et pourtant, 91 dans le milieu du stream, t'es déjà... pas vieux, quoi, mais... t'as vécu, hein. C'est vrai que le monde du streaming, les gens sont assez jeunes. C'est vrai. Pépé est de 56. Non. Pépé est de 74. C'est même pas une vanne. Moi, juin 91. Ah, je vois. Voilà, je vois qu'on a des gens. Il y a des gens de 91 ici. Est-ce qu'il y a des gens, on va dire, de 91 jusqu'à 95. Qu'à 95. Pour savoir un peu. Non, juste pour avoir l'info, quoi. Makeman. 97, 99. Ok, merci pour le sub, mon cher Dila. Adil, tu coco. Merci, 92, tu connais. On est là. Hein. Merci, frérot, merci beaucoup. Aïe. Il est là, le man. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais récupérer. Je voulais voir si j'avais de quoi enlever. Ah, l'empoisonnement. C'est absolument parfait. On va utiliser ça. Merci, Gigitos. Le quatrième mois. Let's go. Avec Lucario pour l'instant. Enfin, Riolu plutôt. Nous ne sommes pas du tout inquiétés. Est-ce que vous voulez faire un bet pour la championne? On peut faire un bet pour la championne. Est-ce que vous pensez que je bats la championne ou pas? Je vais faire prédiction. J'avoue que vous êtes tous quand même très vieux. Mais il y a des gens après 2000, évidemment. Il y a des gens après 2000. Alors, on va aller voir. Oui ou pas? Oui. Non. Je vous laisse 30 secondes. La prédiction est envoyée, mesdames et messieurs. Est-ce que nous allons remporter la victoire face à cette dangereuse championne d'arène? La cote à l'heure actuelle. Alors maintenant, vous avez vu, on affiche les sondages. Ça, c'est pour YouTube notamment, c'est cool. On affiche aussi les bets et surtout, en temps réel, vous avez la cote également, le nombre de personnes, les thunes qui sont impliquées et tout y quanti normalement. Ça devrait le faire. Par contre, la cote, elle ne se met pas à jour. Ah, c'est rare, la cote ne se met pas à jour. Là, voilà, on a les infos qui sont tombées. Parce que la cote, non, elle est quand même à 24-4. Hein, c'est quand même... C'est quand même assez, assez insane, sachant que je vais peut-être me faire twister. Je vais te twister ta tête. Ça fait très très peur. Ok. Donc ça, c'est la championne. Bon, après, je suis à 1-0-4 hein, sur le Wii. Donc aucun risque a été pris, quoi. Les risques sont minimes. Ok, qu'est-ce qu'elle nous envoie? Un Smogo, ok. Pas de soucis. On va voir si Forte Pomme... le met mal ou si retour soigné au final. Mais si c'est pas très efficace, c'est à chier alors du coup, j'ai pas raison. Faut pas qu'il meure, hein. Faut pas que tu meurs mon man. Le retour. Il est de retour. On la charge, pas de critique. Ouf. Damn, Daniel back at it again with the white vents. On a eu très très chaud.
On a eu très très chaud, on est passé à ça du drame. Un scobolide. Bien sûr que je vais changer de Pokémon un petit peu. Il est temps de faire entrer Moustillon. Pas loin du fail. Non, il n'y aura pas eu de fail. Gros regard. J'ai Moustillon, n'oubliez pas. Moustillon, vous savez très bien ce qu'il va faire, quoi. Oh la vache, le scobolide. Oh no, what the fucking scobolide, man. C'est plus physique ou spé Moustillon, là. Oh, le Darvenin. Oh, violent. Plus physique. Ah, je me doutais avec son physique. Évidemment. Allez, la nitro charge. Perfecto. Donc, on va rester en physique. Il tape plus fort. C'était dur, hein. Non, mais il a encore un Pokémon, j'imagine. Il a autre chose. Il a pas que deux Pokémon. Ah, aussi. Oh non, Strychna. Elle avait pas fini son Reef. Mais j'avais pas fini mon Reef, man. Bah, désolé. J'ai perdu. Moi, c'est rock'n'roll. Ça veut dire que t'aurais du talent. J'ai un peu la haine, mais bon. C'était pas un combat socialement formaté. On a pu se lâcher. Qu'est-ce que tu racontes? Tiens, c'est la preuve que tu m'as twisté la tête. Waouh. Et en effet, je t'ai complètement twisté la tête, on peut le dire aujourd'hui. Et un nouveau badge qui s'ajoute, comme vous pouvez le voir ici. Et également en bas, à la collection. Et ça, c'est beau. Aïe, 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 c'est beau, mesdames et messieurs. Le badge toxique de Strychna qui vient d'être ajouté à notre collection. Tous les Pokémon jusqu'au niveau 30, même ceux que tu auras échangés, verront que tu assures être obéirant. Et puis, parce que t'as le rythme dans la peau, tiens. Oh non, le choc venin. D'accord. Ça balance la dose de venin. Si ton adversaire a déjà empoisonné, il déguste le double des dégâts. Yeah. Ça va les chambouler, tes ennemis. Et là, il n'y a plus rien. Pourquoi c'est RP, là. Il n'y a plus de son, il n'y a plus rien du tout, mesdames et messieurs. Parce que il ne joue plus... Oh. Dis, pendant ton combat contre Strychna, j'ai senti... Que tu avais l'étoffe d'une star. Tu devrais faire un tour au Pokéwood. Ah d'accord, donc tu vas aller au Pokéwood? Ça me rappelle mon rep. Il faut qu'il reprenne la navigation, mon rep. Excusez-moi, vous avez pas vu mon rep? Je sais pas où est mon rep. Oh là 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 là, le rep, mesdames et messieurs. Allez, je vous mets la prédiction. C'est quand même assez fabuleux. Hein. Oh mon rep! Oh là 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 là! C'est très très bon ce que tu me fais, mon rep. Pas ouf. Autant mon ref, ça va, mon rep. Très peu utilisé. Oui, il se passe quoi ici? Est-ce que tu fais une pause pour manger ou pas? Je ferai une petite pause pour manger en effet. Vers 19h30. Okay. Dans ces alentours-là. Ces environs. Waouh! On sort, petit rayon de soso. On va aller soigner tout le monde. Parce qu'ils ont quand même mangé chaud. Notamment Riolu. Qui était à deux doigts de la catastrophe. Hein. Oh là là, 13 points gagnés, la dingue se bête. Ah, j'avais dit, hein, ça c'est du bête, hein, mesdames et messieurs. Incroyable. Au fait, vraie question, à part à cause du Covid, ça n'existe plus la Paris Games Week. Et tous ces trucs. Je crois que la Japan Expo, ça va se refaire, là. La Paris Games Week, je sais pas. Je sais pas du tout. À cause du Covid, oui, tout a été cancel, bien évidemment. Par contre, est-ce que ça reprendra? Rien n'est moins sûr. Je ne sais pas. Franchement, je saurais pas dire. Peut-être. J'avoue que, bon... La Paris Games Week, à part peut-être la soirée presse... Plus très chaud, quoi. Plus super, super chaud, hein, on va pas se mentir. Hein, je vois, pourquoi ne pas lui faire un petit essai. Excellente idée. D'ailleurs, j'attends son arrivée d'un moment à l'autre. Oh, bah il est là. C'était de lui que je parlais. Tiens, quand on parle du Loupio. Welcome to Pokéwood. Nous t'attendions, Gigi. Laisse-moi te présenter notre boss, Monsieur Wood. Ça alors. Hello, hello. Salut, salut. C'est Ned Flanders. Salut, salut. Je suis Wood. Enchanté de faire ta connaissance. C'est donc toi, Gigi. J'étais justement en train de parler de toi. Pour commencer, je voudrais t'expliquer en détail le fonctionnement du Pokéwood. Mais je dois d'abord régler quelques petites affaires. Tu veux bien patienter un petit moment? En attendant, je te propose une petite visite guidée. Quelle merveilleuse idée, mon petit!
Il faut absolument que tu montres notre joli studio à Gigi. Tu verras, on y concocte la crème de la crème du cinéma de Nice. Excellent, une pincée de surprise, une lichette d'émotion, une louche de passion. C'est la recette du succès. Bon, je vais régler mes petites affaires. À tout à l'heure, mes bichons. Il m'a dit bichon. Merci pour les 500 bits. Merci, Wicked Mutes. Merci beaucoup. Meilleur truc, le Pokéwood, éclater sa race. Ah ouais? Oh putain, non, me dites que c'est de la merde. Voilà, voilà, voilà où. Voilà, voilà, voilà où. Salut, salut. Salut, salut, les copinous. C'est notre boss tout craché, ça. Regarde-moi ce petit pas dansant. Sur ce, en roue, Gigi. Ok. Alors, je sais pas ce que c'est, mais... Je vais d'abord t'expliquer en deux mots ce qu'est le Pokéwood. Le Pokéwood est un lieu qui a été créé avec un seul objectif. Produire et diffuser des films pour le plus grand plaisir des habitants d'Unis. Waouh. Voici le multiplex, c'est ici que nous projetons nos films. Il y a aussi de quoi accueillir les fans venus rencontrer leurs idoles. Allons jeter un œil à l'intérieur. Non, on va pas le faire. Ça marche. Putain, je peux pas quitter, je voulais faire ça marche et je m'en vais, mais... Nous y voilà. Ici, c'est le guichet. Non, pas d'embrouille, gros. Oh, mais c'est vous! Grâce à vous, j'ai pu faire mes grands débuts d'acteur. Vraiment, c'est génial, je suis bien content pour vous. Et qui est cette jeune personne? C'est Gigi. Quand j'ai vu son combat contre votre fille, je me suis dit que nous devions à tout prix l'inviter ici. Oh, tu as battu Strychna, tu dois être un excellent dresseur. Ah, mais en fait, c'est justement la grande première de mon film. Toi aussi, tu aimerais bien faire carrière au Pokéwood, non? Dans ce cas, tu devrais commencer par visionner mon film pour voir comment jouent tes aînés. Mais je m'en bats les couilles, gros, genre... Excellente idée, je suis sûr que ça pourra t'inspirer. Les mecs me forcent à aller voir leur film. Il va nous mettre mon oncle Jacques Tati, je vais péter un plomb. Ok, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ici que tu choisis le film que tu veux voir. Il y a 8 écrans, c'est vraiment la grande classe. Mais mon film est projeté dans une salle à part. Ça alors? Oh, mais je suis choqué. C'est un parc d'attractions idéal ou bruyeux. Cette histoire reste à écrire, de l'ombre jaillit la lumière, car voici notre héros. Son nom, c'est Rio Luman. Un combat est lancé par super vilain Zuman. Un parc d'attractions, les gens viennent ici pour vivre un moment de rêve. Moi, les rêves, je les démolis. Riolu, utilise forte pomme. Oh, c'est super efficace. Le scalpion ennemi est KO. C'est aussi dans le film. Tu sais, c'est un combat Pokémon, quoi. Waouh, t'as vu ça? C'est une animation spéciale. Comment? Tu as rossé mon Pokémon d'un seul coup? Pas mal, Rioluman. Mais... Ma super technique secrète du mal, voilà, prépare-toi. Bouh, j'ai peur. Je suis Rioluman. Ah, Rioluman. Tu mérites même pas que j'utilise ma super technique. Mange-toi plutôt ça pour la peine. Gah, c'est fini pour toi, Rioluman. Oh non, Riolu. Oh non, Riolu est KO. Oh. Gah, c'est fini. Je n'aurais pas eu besoin d'utiliser ma super technique secrète du mal. Bon, maintenant installe-toi bien gentiment, regarde mes Pokémon démolir ce stupide parc d'attractions. On dirait que je n'étais pas fait pour être un héros. Oh non, Rioluman, gars! Le maléfique Zuman a eu raison du pauvre Rioluman, mais personne n'oubliera son courage. Tu sais quoi cette merde? Merci, adieu Rioluman. Le spectateur en bas. Mais non. Non. Oh non, Rioluman! Oh, c'est abusé, les gars. Non, mais là, les gars, ça peut pas finir comme ça. Je veux la suite.
Voilà, c'est terminé. J'espère que le film vous a plu. Le film était dingue. Tout va bien? J'ai toujours rêvé de jouer dans un film. Maintenant, mon rêve est exaucé. Que voulez-vous dire? Il y a des choses pour lesquelles, en effet, et d'autres non. Je le savais. Mais quand j'ai vu ma fille mener de front sa mission de champion d'arène et sa carrière de musicienne, j'ai eu envie de poursuivre mon rêve, moi aussi. Tel père, telle fille. Après tout, à quoi bon vivre si on ne relève pas de nouveaux défis? Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est... Pour le moment, je vais retourner à mon métier d'origine. Mais un jour, je remonterai sur les planches. Sur les planches, il m'a dit. C'est un film, hein, gros. D'ici là, à toi de devenir une star. Il est temps d'y aller. Je pense que Monsieur Wu doit être prêt alors qu'il est en route. C'est long, hein? Oh là là! C'est Zhu le méchant, l'ancien champion d'arène, classe de noir 1. Oh là là! Oh là là, merci Mayaki, vraiment la surprise est totale. Ici c'est le studio, c'est là que naissent les films. Allons-y Monsieur Wu, t'attends. Bon attends, par contre, on va pouvoir faire des films comme ça là? Et je peux marquer ce que je veux, je peux faire les dialogues et tout? Ou si c'est des trucs préconçus? Parce que si c'est des trucs préconçus, c'est cauchemardesque. Si on peut mettre ce qu'on veut, ça peut être marrant. Enfin, te voilà, ma petite graine de star. Bon, je me présente encore une fois. Mon nom est Ewood. Et je suis le propriétaire du Pokéwood. J'ai dit, si je t'ai fait venir ici, c'est parce que j'ai quelque chose de très important à te demander. Je suis sûr que tu as déjà compris de quoi il s'agissait. En fait, je voudrais que tu acceptes de jouer dans nos films. Mon recruteur n'a pas arrêté de me rebattre les oreilles en disant que tu avais tout pour devenir une star. Et dès que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai compris qu'il ne s'était pas trompé. Yes, boss. Je suis sûr qu'on tient là la nouvelle superstar de Pokéwood. Ah oui, ça crève les yeux. Moi aussi, je meurs d'envie de te voir jouer dans nos films, Gigi. Je suis sûr que tu vas assurer comme une bête. Alors, tu es d'accord, n'est-ce pas? En plus, je t'ai déjà trouvé un acteur... Quoi? Non, mais déjà, c'est qui? Oh, c'est Zhu! C'est Zhu! C'est déjà culte! Je suis Zhu! Ah ben oui, je me souviens, oui. Ravi de faire ta connaissance. On s'était embrouillé, on l'avait arraché, puis après, il nous avait... Zhu est l'acteur vedette du Pokéwood. Et on est très fiers de l'avoir avec nous. J'ai dégoté un script de derrière les fagots qui mettra à profit son expérience et ta jeunesse. Quel magnifique duo. Mais à aucun moment il y a un consentement parce que j'ai envie de dire non moi si tu veux. Donc quel regard. Je suis sûr qu'on fera de grandes choses ensemble. Ah mollo gros, genre moi j'ai rien dit. Toujours aussi cool. Bon, je t'ai tout dit. Maintenant, il suffit que tu parles au régisseur juste derrière moi pour te lancer dans un tournage. Tente ta chance et surtout n'aie pas peur de te tromper. C'est en filmant qu'on devient forgeron. N'importe quoi. Allez. En fait, j'ai vraiment pas envie de le faire, mais bon, pour le lore, je dois aller là, c'est ça? Oh, il y a un fond vert et tout. Ah, faut régler avec le monsieur à l'entrée. Tourner un film. Tourner avec une équipe de location, tourner avec mon équipe. D'accord. Mec, je veux tourner avec mon équipe. Fais non, finalement, tu vas la louer, d'accord. Ok, mais les gars, je découvre. Il y a intérêt que ce soit pas éclaté. Hein. Tu te sens bien, alors on tourne, ok. Mais c'est pas mon Pokémon. C'est à chier. Voilà. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Merci à tous. Eh ben dis donc, c'était du bon boulot. Tu veux qu'on monte le film pour le diffuser? Ah bah ouais, bah moi j'aimerais bien, ouais.
Je vais sauvegarder, ouais. Bah, vous avez pensé quoi de mon film? C'est mon premier rôle, les gars, c'est mon premier rôle, j'étais un peu timide. J'étais un peu timide. Bravo. J'ai pas trop quoi dire. Pensez que j'ai du talent pour le cinéma? Merci. Merci en tout cas de me soutenir. Quelle performance! J'étais littéralement subjugué! Je suis impatient de voir le film terminé! Et c'est là que la magie du Pokéwood entre en scène! Notre technologie numérique dernier cri permet de monter et de diffuser les films en un rien de temps. Non mais c'est pas la technologie, hein, gros, ça c'est faut des gens en fait. En fait, ton film est déjà projeté au multiplex. Oui, évidemment, bien sûr. Ouais. Eh boss, vous avez vu l'heure? Attends, mais c'est tous les mêmes skins là. Désolé Gigi, je dois y aller. Mais toi, tu devrais foncer en multiplex pour animer ton premier film. D'accord, ok. Il est horrible. Là, bah, vous avez pas entendu parler de cette technologie qui permet de faire le montage sans faire le montage, en fait. C'est grâce au Pokéwood. Bon, j'imagine qu'il faut que j'aille voir madame. Bah, Z comme Zuman. C'est ça? Oh là là, oh j'ai hâte. Oh j'ai hâte, mesdames et messieurs, voici mon premier film. C'est parti. Z comme Zuman. Juman versus Riolu Boy. C'est un parc d'attractions idéal où brillent les sourires des enfants, mais soudain, dans ce lieu idyllique, j'ai pas le temps de dire. Cette fois, reste à l'ombre jaillit derrière la lumière, voici notre héros. C'est trop chiant, on n'a pas le temps de dire, ça passe trop vite. Sans nom, c'est Riolu Boy! Riolu Boy! Faut faire un générique! Lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair, il tourbillonne. Surtout si la fille est mignonne, Riolu Boy ne craint personne. Ta-da-ta-ta. Oh non, il va tout détruire! Ça suffit! Oh, qui va là? Je suis Riolu Boy! Et je combats pour les gentils, car je suis gentil, toi tu es un méchant. C'est le même film. Moi les rêves, je les démolis. Ok. Riolu attaque forte pomme! Alors, ça te la coupe? Ok. Ah mon dieu, il envoie votre tournoi. Waouh, t'as vu ça? C'est une animation spéciale. Comment? Tu as rossé mon Pokémon d'un seul coup? Pas mal, Riolu Boy. Mais ma super technique secrète du mal va te mettre à genoux. Prends ça, morveux. Tu rêves. Ah, c'est comme ça. Tiens, ça vaut ma super technique secrète du mal. C'est fini pour toi, Riolu Boy. Oh non, il me fait une feinte! Pas très efficace. Riolu Boy, Riolu! Utilise point glace! One shot head. Voilà le bouffon. Ah! Tu as déjoué ma super technique secrète du mal! Tu n'as toujours pas compris, Juman! Les gens placent tout leur rêve dans ce parc d'attraction, c'est un concentré d'idéal! Et tu n'as rien à faire ici, rentre chez toi bien sagement! Tu as gagné pour aujourd'hui! Mais souviens-toi, Riolu Boy, tu combats pour la vérité, l'idéal, mais je suis le spectre de l'illusion et du réel! Waouh, regarde, bravo, bravo, bravo! Juman! GP, ça va trop vite! Voilà. Courage, Riolu Boy! Dans le rôle de Riolu Boy. Gigi, camarade justicier, Riolu. Waouh, scénario. Apparemment, je fais le scénario là, les gars. On m'a mis au scénar, les mecs. J'ai rien demandé à personne, moi, d'accord? Oh, hey, public qui clappe. Hein. Putain, mais j'aimerais tellement arriver dans le MCU, mesdames et messieurs. Dans le rôle de Riolu Boy! Ludovic Nolan. Oh, mais c'est Gigi! J'ai vu ton dernier film, genre, bro. Il a dit ça, Zarma, j'avais sorti 15 films. J'ai vu ton dernier film. C'est un succès phénoménal. Continue comme ça. Le staff et les spectateurs sont de plus en plus fans de toi. Sur ce, à bientôt, Gigi. J'attends ta prochaine œuvre avec impatience. Moi, c'est Riolu Boy. Putain, la vache. Ah. Il me donne des items. Ah, oh, mais il est parti.
Ah, oh, je suis abattu. Bon, bah tant pis. Je suis une star, je suis déjà une star, mesdames et messieurs. Un film, je crève l'écran, comme on dit dans le milieu. On va se casser, hein, par contre. Non, voilà, je vais pas manquer de respect aux gens qui apprécient Really Boy. mais on va tracer, ouais. On va tracer parce que c'est quand même sacrément un chien, hein, ne nous mentons pas. C'est vraiment, vraiment pas foufou, comme on dit dans le... Oh, qu'est-ce qu'il se passe par ici, mesdames et messieurs? Vous êtes qui? La Team Plasma? Eh oui, la Team Plasma! De retour après 2 ans pour prendre sa revanche! Après avoir été trahi par notre roi, le soi-disant héros, on a échoué dans notre conquête du Nice. Mais nous n'abandonnerons jamais! Jamais! Et nous sommes donc de retour avec un vilain tour de plus dans notre sac! Oh, c'est Xari! Et vous allez l'enfermer? Bande de sales voleurs! Escrocs! Vous faisiez semblant de libérer les Pokémon. Je vais vous exploser la tronche, moi. Je suis Xari. Orange, on se fait courser par un poncho? Ici, on se fait insulter? Mais attends! Où est vous là? Je suis quand même pas ton fils! Bah, on a qu'à embarquer leurs Pokémon. Mesdames et messieurs, quand vous serez prêts, nous pourrons vous administrer votre correction. Ok. Let's go. Vos nouveaux plans, là, ils vont partir à la poubelle. Et vous avec. Quand j'en aurai fini avec vous, votre boss pourra plus vous reconnaître. Waouh, Xari, Xari violent. Tu crois pouvoir gagner? Non. Qui a dit que les enfants manquaient de sagesse de nos jours? Tu crois pouvoir gagner? Non. Qui a dit que les... Bon allez, oui, je crois pouvoir gagner, je vais t'arracher. Let's gong! La Team Plasma. Waouh. Ok, Kakashi. Waouh. Il m'envoie un Pokémon qu'on a encore jamais vu. Si vous remarquez bien, c'est... Ratentif. Oh, la détection. Waouh. Ouais, Ratentif, ouais. Really Boy! Je t'invoque! Forte pomme sur ce Ratentif. Alors, Ratentif, que va-t-il faire? C'est fini, c'est déjà terminé. Oh là 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 là. Oh, voilà un sacré départ en flèche. Eh ouais, bah ça c'est déjà fini, mon ami. Oh waouh 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 waouh. Ces gamins nous mettent une raclée. Je ne m'y attendais pas. Courage, fuyons. Oh, le courage, fuyons, mesdames et messieurs. Les sales losers. En split, prenez la route 20. Si on avait perdu, il nous aurait embarqué nos Pokémon. Cimère! Les petits Cimère, elle nous a dit. Tenez pour vous. Oh, la CS coupe. Oh, magnifique. Méchant avec respect, du masque et des gestes barrières. Ouais, mais c'est ça qui est beau. Mais vraiment, on est dans un monde fabuleux. C'est une CS avec coupe dedans. C'est utile même en dehors des combats. Ça permet de couper les petits arbres sur le chemin. Bon, on va leur faire leur fête à la Team Plasma. Ils sont sur la route 20, séparons-nous pour mieux les chercher. Ok, Xari, on va faire ça. La route 20. Je vais voir s'il y avait quelque chose ici, il n'y a rien. Donc, oh, qu'est-ce qu'il a lui? Le venin de Strychnine est trop puissant, trop puissant. Mais comme j'ai chopé un Magnéti dans la zone industrielle, je suis tranquille. Tu devrais faire pareil. Tiens, ça t'aidera pour les Magnéti ou n'importe quel autre Pokémon. Waouh, ça c'est assez inédit, le mec me donne de la Pokéball. Ok, bah la route 20, il faut que je revienne en arrière du coup. C'est par là la route 20, je crois. Really Boy. Really Boy, très stylé. Attendez, on est sur la route 20. Et vous savez quoi? Le suspense va être à son comble. Nous allons couper cette VOD ici et sauvegarder. Mesdames et messieurs, Really Boy est appelé pour sauver le monde. Mais nous allons couper cette VOD et nous verrons dans le prochain épisode si Really Boy arrive à faire la différence, bien évidemment. Je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne, de laisser un commentaire et un petit like. À très bientôt. Clin d'œil.